Go. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Fanny. Alors Fanny, tu nous as invité sur ton terrain de jeu. Fanny, toi tu es responsable de la Rugby World Cup à la Com Group et puis aussi de Paris 2024. Que de compétitions en perspective. Oui, exact. Bonjour à tous, bonjour Sylvie. Et ben, toi, tu es quand même chez toi aussi, c'est ton terrain de jeu, place de la Com, parce que tu es responsable de la communication pour l'Île-de-France et de la RSE. Donc, tu peux nous en dire plus sur ce qu'on va faire aujourd'hui? Oui, écoute, on a la chance, et là on vous emmène tous, faire une expérience immersive grâce à Immersive Tour de Orange Event. Et on va vivre une expérience assez bluffante. Alors, je ne sais pas toi, mais moi, j'ai toujours rêvé de vous téléporter partout. C'est juste le début de l'aventure. Mais avant, est-ce que tu peux nous préciser où nous sommes? Alors là, je dirais qu'on est quand même en plein cœur de Paris. On a une chance inouïe. On est place de la Concorde. On va bientôt vivre un match extraordinaire. Ça va être un France Italie. Et cette Coupe du monde de rugby, elle est quand même magnifique. Donc on est au cœur de la fan zone, au cœur des supporters. Là, on voit que ça arrive petit à petit. On est tous connectés derrière les bleus. Et c'est une belle histoire d'amour, le rugby et orange, non? Et ouais. Et tu savais, toi, Sylvie, qu'en fait, on a véritablement un double rôle dans cette Coupe du monde de rugby, puisque en plus des partenaires officiels, on est également fournisseur télécom. Donc c'est quand même magique. Et il faut quand même savoir, de toute façon, que Orange, on a l'habitude de contribuer à des événements sportifs majeurs, tels que le Tour de France, Roland-Garros et d'autres événements. Oui, et c'est vrai que ces grands événements sportifs, c'est grâce au talent de nos techniciens. Et aujourd'hui, si on fait l'Immersive Tour ici avec Orange Event, c'est aussi grâce aux ambassadeurs. Et les ambassadeurs, c'est des hommes et des femmes, ou des femmes et des hommes talentueux, curieux, férus d'innovation, de nouveauté, et qui sont ici, à Paris, mais bien ailleurs, partout en France. Et alors là, je propose qu'on aille capter l'ambiance un peu partout. Et on commence avec Patricia à Lyon. Oui, bonjour à tous. En direct de la fan zone de Lyon, où nous avons énormément de monde. Je vous le montre. Voilà. Je suis donc devant le stand d'Orange, un stand magnifique où nous avons comme spécificité de présenter donc les médailles. Donc avant, je vais juste vous donner quelques infos. Lyon, c'est quoi? C'est 4 stades qui ont été connectés en 5G pour décliner donc plus de 20 matchs de rugby. Et nous avons ce soir, c'est pour ça qu'il y a autant d'ambiance sur Lyon, on a le match en Italie. À partir de 21h, je vais vous montrer donc les médailles. Vous voyez là, hop. Là, on est sur le tour de table. Voilà, les médailles, elles sont juste là. Voilà, on peut voir. Intéressé, qui ne suit pas dans photo. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur ces médailles? Donc, les médailles, elles ont été en association avec la Monnaie de Paris. Donc, pour fabriquer ces médailles, on n'entend pas. Vous m'entendez? D'accord, donc là, ils font les médailles. Et là, ils nous voient. Voilà, donc, les médailles, c'est 1491 médailles qui ont été fabriquées avec des mobiles recyclés. Il a fallu 206 000 mobiles recyclés pour pouvoir fabriquer ces médailles. Vous en avez 4, donc 3 pour le podium et une pour tous les autres participants. Voilà, en tout, ça fait quand même 31 tonnes de mobiles pour pouvoir fabriquer toutes ces médailles. Voilà. Vous les voyez? Impeccable. Voilà. Là, je peux vous montrer un petit peu la fan zone. Les gens commencent à se préparer à partir pour le match à Lyon. Voilà. Voilà pour super Lyon. Sur Lyon, l'ambiance, elle commence à monter. Ouais, je pense qu'on peut aller visiter maintenant Nantes. Nantes avec Christine. Oui. Bonjour. Nous à Nantes, ça commence tout juste à débuter. Nous à Nantes, le monde commence tout juste à arriver. Donc, ben, on est prêt à les accueillir.
sur l'espace Instagram Photobooth pour avoir un souvenir. Et pareil, on a une bonne équipe prête tous pour les accueillir. Le public commence à arriver et on a un temps magnifique. Et maintenant, on rejoint les équipes de Toulouse pour voir tous les casques VR et la touche connectée. Et bonjour, bienvenue à Toulouse. Ici, on est devant le stade. Alors, c'est pas comme Lyon, la fan zone commence avec les bandas à dire tout doucement, mais je vous invite à nous rejoindre. Nous avons ici les personnes qui accueillent le public avec toujours beaucoup d'entrain et nous avons nos super ambassadeurs. Donc je vous présente Karine et Franck. Karine et Franck, toujours motivés à présenter Orange et le casque VR. Et bien sûr, parce que Orange, partenaire de la Coupe du Monde de rugby, partenaire de l'équipe de France de rugby. Et bien sûr, on a fait ce partenariat, on a mis en avant toute notre capacité d'innovation pour permettre à l'équipe de France de rugby avec de s'entraîner. Et là, on le présente au grand public et il y a vraiment un enthousiasme incroyable. Les gens adorent découvrir la VR et ils remercient Orange, c'est vraiment génial. Donc, merci de nous permettre de partager ça avec le public. À vous, Paris. Et donc on revient sur Paris et là en fait on va vous faire vivre une expérience de dingue avec François et puis bien sûr Nadjet, Sabrina et Teddy. Allez François. Non là, ils sont pleins dans l'émission là. Sur le site de la Concorde. On va rejoindre en fait Teddy hein, qui va vous faire la présentation du lens. Je vais laisser déjà la parole à Nadjet et Teddy va vous faire les démonstrations. Alors, bienvenue sur le stand de Paris. Donc là, on va se connecter. Alors, c'est un partenariat avec Snapchat. Donc, Teddy va se connecter avec le QR code pour justement lancer la lens Snap. Donc, c'est le match du jour qui apparaît. Hein. Donc, c'est France-Italie aujourd'hui. Et il faut sélectionner l'équipe pour laquelle on souhaite jouer. Donc voilà, il faut pointer la caméra vers le ciel, hein, c'est ce qu'il est en train de faire Teddy à 7h. Prenez vos places, je prends les places. Les joueurs se mettent en place. Il faut cliquer sur l'équipe avec qui on soutient, l'équipe qu'on soutient, pardon. Et voilà, c'est un jeu, grâce à la 5G, on a la possibilité d'utiliser une lens en direct. Et de façon instantanée. Allez, on clique. Allez, la caméra! Allez-y! Encore! En fait, tu peux bouger la caméra quand même. Oui, c'est du 360, ouais. Allez, la France! Écran, allons-y, va! Ah bah ouais. Bravo! Moi j'ai le son mais je peux pas passer du mesurier. Et tu suis, ça dit quoi là? Enfin, il raconte le son là. Bonjour messieurs dames. Ça va? Bien, vas-y. Dans le stand, comment tu lances le scanner avec votre téléphone le QR code, ça vous permet de Le protocole, on recherche la geste, vous pouvez nous parler, vous pouvez le voir, hein, si c'est actuel ou Thomas. On va essayer de laisser la geste. Alors là, on est sur l'animation protocole, il y a énormément de sujets. Allez, venez, on s'installe tous pour la maxi photo. Merci à ce réaliser virtuel. Donc on va, hop là. C'est bien ça. Là, c'est vraiment le moment convivial. Vas-y, François. Ça va porter chance ce soir. Et puis là, allez-y, mettez-vous ça à côté des autres. Le plus serré possible. Avec le photocall. Jimmy.
On bouge pas, on bouge pas, on bouge pas. Yeah. Bon, super initiative. Il est en train de nous dire qu'il y a. Magnifique photo, bravo. Et ben, je crois que notre émission test arrive à sa fin, Fanny. Hein. Oui, très bien. Des choses à gagner également. Ballon, sur les villages, en attendant nous. Et de faire cette petite. Merci aux ambassadeurs, merci à toutes les équipes qui ont participé. Et on vous retrouve bientôt. Merci à Eric, bien sûr, qu'on ne voit pas forcément, mais si vous faites un 360, on le voit dans l'écran. Et puis, à bientôt pour une expérience immersive. Tout à fait. Et très belle soirée à tous. Allez, la passion du rugby, c'est souvent une affaire de famille. Quand on est sur le terrain, la ferveur de ses supporters nous porte. C'est pourquoi aujourd'hui, on tenait à partager un moment avec Agathe, qui fête son bac en famille.